Merci. Voilà, tout le monde est en colonne. Et voilà, beaucoup de temps pour aller à côté de son. C'est le Seigneur qui nous a donné le temps d'aujourd'hui. Le 30 novembre 2021. Aujourd'hui, le 30 novembre 2021. Nous avons été déjà dans Tongo. Nous étions là déjà le matin. Dans culte matinal par la grâce de Dieu. Dans notre culte du matin par la grâce du Seigneur. Si vous pourquoi par la grâce de Dieu aussi. Et maintenant, nous sommes le soir, toujours par la grâce de Dieu. Bible est ce que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Biblia le bien te lo banzambe fanda na ebele katikati na bino. Faut koyoka parole mingi. Il faut beaucoup écouter la parole. Lokola nzamba biso respiration. Comme le Seigneur te donne la respiration. Lokomoko to lo binzambe ozo pesana respiration trop. Et il n'y a aucun jour où tu as déclaré que le Seigneur te donne plus de respiration. Lokola enlève-les d'abord. Tu n'as jamais dit ça dans ta vie. Lui ne se lasse pas de te donner le souffle. Et toi aussi, donne ton cœur à lui. Parce que la crainte de Dieu, l'obéissance de la parole est une respiration aussi. Oui, et tu l'auras en écoutant plus la parole par de Dieu. Par la grâce de Dieu. N'angolui en Zambé. Donc, ce qu'il y a, il bosse en Zambé, c'est bien la bonne Zambé pour qu'il s'élue la parole. Si tu viens dans la présence du Seigneur, réjouis-toi parce qu'il t'a préparé sa parole. C'est pourquoi nous lisons notre texte du 7e psaume. Texte du 7e psaume est un verset mon. Dans le texte du 7e psaume, il n'y a qu'un seul verset. Et ensuite, il y a un témoignage où il y a ces versets. Ensuite, il y a des témoignages qui appuient ces versets-là. Ils ont des versets. 1, verset 1er, il y a Apocalypse 8. C'est le verset 1er d'Apocalypse 8. Pendant la mission malam ou par la grâce de Dieu. Suivez-nous attentivement par la grâce du Seigneur. Dès que vous arrivez, vous comprendrez encore. Alors vous arriverez à la compréhension. Tout simbi, verset 1er, il y a Apocalypse 8, pasteur Seba Kolimbole la mission. Quand il ouvrit le 7e sceau, Tango afungolaki ndanga ya sambo, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Nalikolo kimia moko ekotaki pene pene ngonga ndambo. Wana batie point. Cela veut dire pensée wana esukeri wana. Cela veut dire que cette pensée là ne s'arrête que là. Que Dieu bénisse cette lecture par la grâce de Dieu. Zambé a pas pour la litanie on a connu en Zambé. Tobanda qui d'abord totalisa la dernière semaine, il y a 70 semaines dans le livre de Daniel. Le matin, on avait commencé par montrer la dernière semaine qui est dans les 70 semaines du livre de Daniel. Totalisa qui d'abord la lettre à Jérémie. On avait d'abord montré la lettre du prophète Jérémie. Dans Jérémie 29. Dans Jérémie 29. À partir du verset 1er et 2e, tout en à partir du verset 1er et 2e, nous l'avions lu.
encore par la grâce de Dieu. Nous allons encore le relire par la grâce du Seigneur. Il faut toujours demander à Dieu. Seigneur, Seigneur, ouvre-moi l'intelligence dans ces choses du royaume. C'est tout un sujet de prière. Il faut que le Seigneur te voie lui demander tous les jours l'ouverture de l'intelligence. Personne n'est spécial dans les choses de la Bible. C'est toujours la grâce du Seigneur. Lorsque tu implores le Seigneur va voir les soucis qui est en toi pour te donner la compréhension. Le Seigneur le fera. Mais si tu n'as pas ces soucis-là en toi, tu n'as besoin que de l'argent. De l'argent, tout moment, il te donnera aussi. Et ce n'est pas mauvais. Et tu auras de l'argent pour aider les autres. Si tout ce que tu demanderas à Dieu, si c'est dans sa volonté, il le fera. Ce qui soucie d'ailleurs, c'est que si ton souci est aussi que le Seigneur te montre et c'est vraiment ta prière, il viendra opérer dans ta vie, il l'ouvrira ton intelligence. Parce qu'il est écrit dans Esaïe 29 verset 11, au verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'écriture est le bien-aimé. L'écriture dit ceci. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Et mon Iselignon se zali pour Nabino Lokola Malobaya beaucoup moko bakanga. Que l'on donne à un homme qui sait lire. Oyoba Pesi Moto a Epikotanga. En disant. Baebisye. Lis donc cela. Tanga et mon Iselignon. Et qu'il répond. Beayanoli. Je ne le puis. Car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant. Dis donc cela. Et qui répond. Je ne sais pas lire. Donc, donc en ce qui concerne la révélation de la parole, cela ne regarde pas ce que tu sois sage ou insensé. C'est lui-même qui vient avec la lecture. S'il désire te donner la lecture qui est l'explication, il le fera. Il peut y avoir quelqu'un qui a beaucoup étudié mais qui ne parvient pas à comprendre ces choses. Tu ne peux pas comparer la sagesse du monde à celle de Dieu. Que ce soit vraiment toute une prière dans ta vie. Sœur, frère, yeba que la connaissance élève. Bien-aimé, yeba été boyé de tombolaka. Même l'église d'Ariwara. Même l'église d'Ariwara. Qui considérait sérieusement la connaissance de la parole. Si elle considère sérieusement la connaissance de la parole. Elle aura cette élévation en appel Makassi. Elle aura aussi beaucoup cette élévation. C'est le principe de Dieu. Esali Milongo Zabé Atia. La science élève. Zébi et Tombolaka. Yamone Job Alobaki na Job 29. C'est ce que Job avait dit dans Job 29. Alobaki na Zagine dit comme un roi. Au milieu, yaba roi nyoso bazaboka kaminoko de vanga. J'étais comme un roi pour eux et ils fermaient leur bouche devant moi. C'est la connaissance. Ezali, Zébi Azalaki. On néglige Yangote. Ne néglige jamais la connaissance. Ozala un frère. Et tu sois un frère. Ozala une soeur. Et tu sois une soeur. Désir, il faut toujours désirer répondre l'enseignement à la maison. Il ne faut pas imiter le mal. Et tu imites un frère qui ne s'occupe pas de la parole de Dieu. Non. Il faut d'abord désirer imiter ceux qui sont dans la Bible. C'est très important. C'est très important, bien-aimé. Il faut t'adonner au Seigneur afin qu'il te dise beaucoup de choses.
Zala na souci wan. Et ces soucis là. Nazoe bisayo ke la connaissance élève. Je te dis que la connaissance élève. Quand oso connaître davantage. Lorsque tu connais davantage les choses. Et que senga te na makasi na yo komo na lo lengi oyo nzamba zo tombola yo yemo kwa ko tombola yo. Cela ne va pas demander tes efforts pour que tu vois comment le Seigneur te lèvera. Il faut na kati na yo travail wana ezala. Il faut qu'il y ait en toi ce travail. Zala na souci wana vraiment. Il faut vraiment avoir ces soucis là. Na yeba enseignement. Que je puisse maîtriser dans la Bible. Dans la Bible, il y a des questions faciles. Des alis na ba mituna ya pete oyo pe bazo ya ndola yango ki on répond aussi facilement Hébreux 5 et bien ango Hébreux 5 nourriture ya niveau élémentaire donc makambu ya ibandela ya makambu nzambe bien nourriture au lait donc biloko miliki ya bana pour des enfants oya bana mikie mais à l'obipe il y a nourriture solide à l'obipe zali na bile ya bakolo à lui c'est pour les hommes faits les alliés abattus au bas salé mamicolo au moni mama ya Beltacha vous voyez la mère de Beltacha mokonzi ya Babylone le roi de Babylone à l'obiboy elle avait dit ceci tant que Beltacha a monaki le beau lolingé koma qui est la miraille lorsque le roi avait vu le doigt d'une main écrire sur la miraille comment qui mène tel qu'elle base compter peser diviser vous avez expliqué quoi ça la guité et personne n'était là pour l'expliquer moi si on a ébissi au roi et cette femme là dit au roi appelle Daniel benga Daniel appelle Daniel benga Daniel c'est un homme qui a l'esprit de Dieu en lui à salir Daniel moto o ya salina ba mili mo ba nzambe kati na ye alobi azana fak Azalina mopete wana nyonso ya pour résoudre ya de résoudre des questions difficiles ba mituna ya passe donc ba questions difficiles ça donc c'est-à-dire dans la Bible il y a des questions difficiles et Daniel azaki établi ba na résoudre ce qui est difficile comme Daniel avait la faculté de résoudre des questions difficiles donc il y a des choses qui sont faciles les ana makambu ya tu ne vas pas t'arrêter là. Si tu ne demeures que dans ces choses-là faciles, au commis à guériter et que tu ne deviens pas un homme fort, au commis à nourriture solide et que tu ne parviens pas à la nourriture des adultes, cela n'est pas bon. Donc, Zambé Tangazo enseigne. Lorsque le Seigneur enseigne, à force que Ozo l'endamie. À force que tu suis plus la parole, à la maison tu reprends les enseignements. Tu es un frère. L'enseignement entre bino ba frère, vous partagez. Vous répétez l'enseignement dans le partage entre vous frères. Et colisaka. Et cela fait grandir ou accroître dans les choses de Dieu. Il ne faut pas avoir l'habitude de venir et de retourner et c'est fini. Non. Zala na souci. Enseignement. Et le souci de bien maîtriser l'enseignement. Et qu'on protéger. Cela va te protéger. Parce que le diable a aimé. Parce que le diable le sait. Si tu as un mauvais enseignement, tu ne seras pas non plus. Les découragements dans les gens pour refuser d'apprendre. A pour salaire, les manques ou rater l'enlèvement à la suite des temps. C'est ça un salaire. C'est là un salaire. Le Seigneur, Nkolo, a bongisi rukumokona 2 Thessaloniciens 1. Il a préparé quelque chose dans 2 Thessaloniciens 1. Verset 8. Le verset 8. Nazo tangayamo. Je le dis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na kumbone su Christ. 1 Thessaloniciens 2 Thessaloniciens 1 plutôt. 2 Thessaloniciens 1, le verset 8. Le verset 8, tiens. Nazo tangayamo na kumbone su Christ. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Nabani même dans verset 6. Le verset 6. Car il est de la justice de Dieu et rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Il y a coupé sa mawa na baye oyo bazali ko nyoko la bino. Na komi na verset 7 de Thessaloniciens 1. Et de vous donner à vous qui êtes affligés. Na coupé sa bino baye oyo ko nyoko ami.
du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Dans la verset 8, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc, un ignorant va punir. Donc le Seigneur viendra punir un ignorant lorsqu'il apparaît. Ensuite, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ceux qui n'obéissent pas, ce sont des incrédules. Donc ceux qui n'obéissent pas, des incrédules. Mais ceux qui ne connaissent pas, ce sont des ignorants. Dès lors que Dieu sera dans un bac au jugement. Donc le Seigneur jugera toutes ces deux sortes de personnes. Dieu sans tenir compte Nathan ignorant, César Olingo Zagina Pagan. Donc Dieu sans tenir compte de ta nuance lorsque tu étais païen. Alors il t'accueille, il pardonne. Mais dans ta marche dans les choses de Dieu. Lorsque tu demeures ignorant, place dans verset 8. Ta place sera au verset 8 de Thessaloniciens 1. Les diables ont un rôle. Les diables ont pour mission. De semer en toi le découragement d'apprentissage des choses de Dieu. Mais il faut savoir que toute œuvre a un salaire à la fin. Mais lorsque tu te décourages, tu attends quel salaire, bien-aimé? Makamwanzambe balubi, ce sont les violents qui s'en emparent. Makamwanzambe balubi, za batuna bitumba ya loma ne basoak. Il faut travailler. Donc tu dois travailler, montrer la violence. Zanatina. Cela est très important. Vous négligez vraiment l'enseignement. Ne néglige pas l'enseignement. Considérez-le. Considère-le. La nourriture solide est très utile. L'ité à ma colo est allée montouille. Pour des hommes faits. Pour na ma micolo. Ils appellent à ma nourriture facile. Il y a aussi des choses faciles de la vie. Et oui, ça solide. Mais ce qui est solide. Ils ont aussi pour na yo comme à la perfection. C'est aussi pour que tu parviennes à la perfection. Considérez à moi par la grâce de Dieu. Considère cela par la grâce de Dieu. Et vous allez m'attirer à ma casse. Ce sera très important. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, ton. Talisa qui par la grâce de Dieu. Alors on avait montré par la grâce du Seigneur. Dans Jérémie 29. Dans Jérémie 29. Jérémie a reçu un message de Panzambe. Jérémie avait reçu le message du Seigneur. Et tant qu'a reçu le message de Panzambe. Et lorsqu'il a reçu le message du Seigneur. A commis message wana. Jérémie a écrit ce message. A tindeli ba o bazaki na captivité à Babylone. Et l'a envoyé à ceux qui étaient en captivité à Babylone. Natalisa ki ba o bazaki na captivité à Babylone. Je vous avais montré que ceux qui étaient en captivité à Babylone. Ba tangi ba o wana. On les a cités. Les prophètes peuvent basaquer en captivité. Les prophètes aussi se retrouvaient là en captivité. À l'exemple de Daniel. À l'exemple de Daniel. Ézéchiel. Ézéchiel. On peut basaquer en captivité à Babylone. Ils étaient des prophètes en captivité à Babylone. Mais Jérémie a tikala qui na territoire à Jérusalem. Était resté dans les territoires à Jérusalem. Nde a commis message en Zambé. Alors il écrit le message du Seigneur. Dans Jérémie chapitre 29. Dans Jérémie chapitre 29. A bandi d'abord par Batoyos à Koméli. Il commence d'abord à citer les gens auxquels il adresse le message. Dans verset 1er. Au verset 1er. J'ai lu au nom de Jésus-Christ chapitre 29. Amen. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité. Tala maiko ekomamani na mokanda oyo Yeremia mosakoli atindaki uta Yerusalema na ndambu ya bampaka oyo bazalaki na bo sacrificateur na banganga nzambe au prophète na basakoli et à tout le peuple bena libota mopimba que Nebuchadnezzar avait amené captif de Jérusalem à Babylone. Oyo mokonzi Nebuchadnezzar amemaki lokola bawumbu uta Yerusalema. Ils ont confirmé que lettre Jérémie azokoma azana Jérusalem. Et cela confirme que cette lettre Jérémie l'écrivait tout en étant en Jérusalem. Avomeli bato bakena captivité Jérémie
Jérémie l'a écrit à ceux qui s'étaient rendus en captivité, qui sont à Babylone. Et dans cette lettre, Jérémie avait dit, verset 11. Prenons le verset 11. Na verset 15. Et le verset 15. Je connais le projet que j'ai formé pour vous. Dit l'Éternel. Projet de paix. Et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Zambé a un projet ya bongisi. Le Seigneur a des projets qu'il a formés. De yangwa yemisa ki Jérémie a yemisa ba prophète na bancien oyo baza na captivité. Ce qu'il avait dit de dire aux prophètes et aux anciens qui sont en captivité. Mais atanga alobaki te ke projet mo Zambé za boyeza boyeza boye. Te alobika na Zambé za na projet. Mais il n'avait pas détaillé comment était ce projet, mais quand même il avait dit que le Seigneur a des projets. De ayena verset 15. Maintenant il vient au verset 15. Il y a Jérémie 29. Jérémie, cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. Alors, les projets sont fermés. Alors, comme c'est un projet non dévoilé, bon, déjà. Et déjà, comme vous dites, parmi vous, le Seigneur nous a suscité des prophètes. Cela veut dire, prophète à Kosambe, dans un bagopé, cela veut dire, le prophète va prier et Dieu va le révéler ce qui est caché. Il y a toujours remarqué dans Daniel 9. C'est pourquoi nous remarquons dans Daniel 9. Ce qui est au tangi, au commande que les livres de Jérémie, Ezala qui lit et pas à Daniel. Et nous allons remarquer que les livres de Jérémie étaient lus par le prophète Daniel. Au tangi, on a Daniel 9. Daniel chapitre 9. Verset 2. Le verset 2. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. La première année de son règne. Moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Voilà, ça, mibou ya. C'est pourquoi nous montrons ceci. Daniel tangu atalisi ke makambo yo na tangi Jérémie. Daniel, lorsqu'il a montré que ces choses, j'ai lu le prophète Jérémie et le molier prophète. Cela n'avait pas ôté son ministère prophétique. Pierre tanga tanga ki na de Pierre 3 verset 14 na 15 ke azaki kotanga Paul. Lorsque Pierre de son côté a fait mention qu'il lisait les lettres du frère Paul et le moulier apôtre était pasteur. Cela ne lui avait pas ôté son ministère apostolique ou pastoral. Alors reconnaître qu'Azaki peut bénéficier d'une autre grâce. Il reconnaissait qu'il bénéficiait aussi d'une autre grâce. C'est sa culture et l'écriture sainte. Il y a connu l'olenge et ma commis sainte. L'olenge m'a Jean-Baptiste. Il faut pas le. De la même manière, lorsqu'on était venu chez Jean pour chercher à l'élever, pour créer une sorte d'adversité entre lui et le Seigneur, il leur a dit, d'ailleurs, je vous avais dit, Nazali Mobali Balate, un ami à époux, Moninga Yamobali Mobali Kolomwasi, il faut se peindre. S'il voit l'époux, il doit se réjouir. Donc, à diminuer l'accusation, il avait amoindri l'accusation qu'on lui avait apportée que la personne que tu baptisais. Aujourd'hui, tous les gens affluent vers lui. Il a dit lui-même. Il est dit dans Jean 3. Il a dit. Je vous avais dit que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Nous nous recevons l'esprit avec mes yeux. Mais cet homme-là dont vous me parlez, il vient d'en haut. Il a l'esprit sans mesi. Azalina moli mongo ezanga suka. A tomboli Christ. Il a élevé le Christ. Jésus aussi n'anga kunaya toni ba. Et Jésus aussi, de son côté, pose un interrogation. Un désert. Qui
qui est derrière c'est lui qui est vêtu d'habits précieux se retrouve dans le prison. Qui est un prophète Moussakoli. Jésus peut de apaisier le commande plus qu'un prophète. Et Jésus a dit Jean aussi était plus qu'un prophète. Parmi parmi ceux qui sont nés des femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Amen. C'est ça Dieu. Quand honoré, lorsque tu l'honores, il n'est pas honoré. Et lui aussi t'honorera. Dieu comme ça. Nous avons ça pour vous. Donc Jérémie Poitanga. Daniel d'abord. Daniel Poitanga comme moi Jérémie que j'ai lisé. Pour lire facilement les noms de Jérémie qui lisait ce livre. Non, il faut changer de. Azakana, faculté à résoudre des questions difficiles. Il avait toujours cette faculté-là de résoudre des questions difficiles. On a cette difficulté dans les églises de saints. Quelqu'un, un autre peut prendre l'enseignement de nôtre. Il efface les noms de son frère pour écrire son propre nom comme si la terre était. Les apôtres n'ont pas agi ainsi. Même si c'était Paul qui l'avait si l'instrument utilisé c'était Paul, Pierre va citer nommément le nom de Paul. Et cela ne va pas lui ôter le ministère prophétique. Daniel a un esprit supérieur. Daniel a cela qui n'a pas dit moi dit colo coléta. Mais le colo coléta Jérémie a dit que j'ai lisé Jérémie. Mais il dit ouvertement qu'il lisait les livres du prophète Jérémie. Jérémie aussi est mon copé à l'obaki. Et Jérémie lui-même aussi avait. Dans Jérémie 28. Dans Jérémie 28. Parce que Milo qu'on faut comprendre là. Parce que vous devrez comprendre ces choses. Il y a mon commande. Qu'est-ce qui est installé? Parce que vous allez voir qu'est-ce qui s'installe dans beaucoup de gens. L'orgueil. L'olendo. L'humilité. L'orgueil dérange beaucoup de serviteurs de Dieu. Quand on prêche, on prêche pour les salis des âmes. On ne prêche pas pour se faire valoir. On salis des âmes. Et du haut de la chair, on ne vient pas faire des entraînements ici. On ne peut pas élever un frère qui n'est pas bien formé. Tu ne maîtrises pas bien l'enseignement. Et puis qu'on essaye d'abord devant les gens. On est en train de tuer ces frères-là. On les tue. Beaucoup de paroles sortiront de sa bouche. Ne pense pas que le Seigneur va les laisser impunis. C'est toi qui l'as donné accès à l'autel. Est-ce qu'il avait l'âge de devenir sacrificateur? C'est très important ces choses. Dans les choses de Dieu, on ne veut pas remplir un vide ou un manquant. Il y avait un rang manquant, un vide. Mon frère, remplace-nous dans lui-même. Là, nous allons amasser du charbon ardent sur sa tête. Lorsqu'il dira des choses qui ne sont pas conformes, le Seigneur le prendra en charge pour le punir. C'est très important. C'est très important. Mais tu verras, Timothée, ils ont suivi de près les enseignements de Paul. Timothée Alanda qui n'a peiné Matéa et Tata n'a épaulé. Alanda qui aussi son comportement. Il avait aussi suivi sa conduite. Et Alanda qui aussi sa constance. Fait au tic à la mouille n'a été. Donc, ministère, et là, il faut trouver un ministère, c'est ce qu'on appelle la constante. Et c'est qu'il n'y a pas de la tata pour ça, là, le tombe au bas la position de. Ah, et ça, élément mounène dans mon salon. C'est un élément grand et très important dans l'œuvre. La constance. Donc, au bas de la légalité. Vous allez trouver d'autres gens. Problème est ça. Il y a un problème. Avant de sa position. Avant de donner sa position. Il pose la question. Pasteur Jean, le pasteur Jean est de quel côté? Qu'est-ce qu'il avait dit?
Est-ce que l'apôtre Gilbert a l'obéi? Quand venait l'apôtre Gilbert dans cette affaire? Comme il s'attendait bien avec l'apôtre Gilbert. Et il se range du côté de l'apôtre Gilbert. Ce n'est même pas l'écriture, la position de l'apôtre Gilbert. Vous voyez, pour que Jacques prenne la position de ce que Pierre a dit. La conférence de Jérusalem. La conférence de Jérusalem. Il a dit ce que Simon vient de dire est vrai. Ce n'est pas parce qu'ils avaient vécu ensemble. Dans cette conférence, il a dit. Cela s'accorde avec les paroles des prophètes. Pour soutenir Simon, exposé à Pierre, il a écouté l'exposé de Pierre, a remarqué que ça, que Joël, il a dit que cela s'accorde avec les paroles de Joël, que Jérémie, comme Jérémie l'avait dit, que Daniel, comme Daniel l'avait dit, Abi, amen, il a dit Pierre. Amen à ce que Pierre vient de dire. Ça l'a dit. Il y a mon de Bibli à terre. La constance. C'est ce que la Bible appelle constance. Na position et enseignement. Donc, demeurer toujours dans la position. Position enseignement, la position de la parole ne demande pas un grand nombre qui te soutient. Christ, Christ lui-même. La majorité. Il est majorité, bien-aimé. Donc, Ataboza, 100. Même si vous êtes 100. Non, à 9, fais une position en haut. Non, à 9, prenne sa position. Sans qu'elles aient écrit tes. Si leur position n'est pas écrite, toi qui es resté seul.